Bonjour et bienvenue sur le circuit de l'Albert Park en Australie pour une course qui fait déjà partie des grands classiques. Le circuit de Melbourne fait partie de ceux qu'il faut prendre au sérieux. Son revêtement bosselé et ses virages difficiles compliquent les dépassements. Les pilotes, qui ont du mal à doubler, devront tirer parti des zones de DRS s'ils veulent espérer décrocher un bon résultat ici. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Lando Norris a réalisé un chrono phénoménal hier. Il s'élance en pole position et c'est George Russell qui part en deuxième place. Regardons maintenant le reste de la grille. Pérez, Leclerc, Carlos Sainz et Verstappen, Sparrow, Hamilton, Bottas et Mick Schumacher, Tsunoda, Fernando Alonso, Pierre Gasly et Magnussen, Ocon, Zhou, Sébastien Vettel et Alexander Albon, Stroll et Nicolas Latifi. L'extinction des feux ne devrait plus tarder, il est donc temps de nous diriger vers la piste. Jacques Villeneuve sera à mes côtés aujourd'hui pour commenter. C'est fantastique de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je suis curieux. Selon vous, comment les pilotes gèrent-ils le stress avant la course sur la ligne de départ? Eh bien, je crois qu'ils commencent à sentir l'adrénaline monter en imaginant le départ jusqu'au premier virage. C'est un peu comme se préparer à aller au combat. L'inconnu joue sur les nerfs, mais c'est une bonne chose. Ça leur permet de rester concentrés sur l'instant présent et sur ce qui les entoure à mesure que le départ du Grand Prix approche. De gagner des places maintenant.
réfléchi à une stratégie. Tu veux changer ou continuer à suivre le plan initial ? Était beaucoup trop agressive. Fais plus attention ou on sera pénalisé.
la dégradation des pneus. Continue à les économiser.
Impeccable. Très belle manœuvre. Sur la voiture de derrière est de 1,9 secondes. La piste est dégagée, drapeau vert. Secondes. On creuse l'écart d'environ une seconde par tour avec la voiture de derrière. Avec la voiture qui nous précède est de 2,2 secondes.
où tu viens de gagner une place. Nous avons près de 4 tours de carburant.
course est terminée. Fais attention à la monoplace sur le chemin du retour. Nous avons pu observer de superbes batailles dans les rues de Melbourne aujourd'hui. Quelle magnifique victoire! Jacques Villeneuve, qu'est-ce qui leur a permis d'atteindre ce résultat d'après vous? Je pense que la météo était parfaitement adaptée à leur monoplace. Toutes les conditions étaient réunies. Vent, température de la piste. Lorsque la température des pneus est optimale, les performances sont au rendez-vous. Vous avez donc tout intérêt à maintenir cette température. Voilà ce qui a fait la différence aujourd'hui. Leur monoplace semblait à l'aise sur la piste. Et voici nos vainqueurs du jour. L'équipe Red Bull a fait un travail formidable.